Good morgen, allez, Yiden et tu seras aujourd'hui. Les Louis Nishmat, Avram Mordechai, Ben Israël, Befani, David, Ben Fortuna, Mazal, Fritna et Dvora Batester. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions dans cette vidéo, Berek Gimel. Mishnah Chet, Kol Makom Sheyesh Mecher, En Knas. Kol Makom Sheyesh Knas, En Mecher. Ktana Yesh La Mecher, Ve En La Knas. Naara Yesh La Knas, Ve En La Mecher. Abogeret, En La Lo Mecher, Ve Lo Knas. On commence par introduire deux points importants, on va les comparer ensuite dans la Mishnah. Un père a plusieurs droits sur sa fille quand elle est enfant, quand elle devient adolescente, mais plus quand elle devient adulte. D'accord? Il y a plusieurs halakhot, on trouve par exemple, je sais pas moi, le père il peut annuler les vœux de sa fille s'il a fait le neder, le père il nous dit « moufarlach ». Il y a à part ça, le père il a des droits, par exemple, sur ce que sa fille... Elle gagne, ça appartient au père. Pire que ça, le père il a le droit de la marier avec qui il veut, même si c'est quelqu'un que la fille elle n'en a pas envie. D'accord? Et aussi, notamment, le père il peut même la vendre aussi en servante, comme une esclave, tant qu'elle est enfant. Il y a maintenant, parmi tous les droits que le père il a, il y a des droits qui démarrent depuis qu'elle est bébé, jusqu'à qu'elle devient Nehara et Bogueret, c'est-à-dire, il y a je vais dire. Il y a une fille, elle est d'abord elle est ktana, elle est petite, et après quand elle commence à avoir son corps qui se développe avec deux poils dans les parties génitales, elle commence à devenir adolescente, c'est que dans la fille que ça existe l'adolescence, de 12 ans à 12 ans et demi, elle devient nahara, une jeune fille. Et après 12 ans et demi, une fois que ça fait 6 mois qu'elle est déjà, rodée dans son développement, elle devient bogeret, elle devient adulte, et le père n'a plus aucun droit dessus. D'accord? Donc pendant cette période, ça s'appelle nahara, retenez, ktana, bogeret, ktana, nahara, bogeret. Ok, entre parenthèses, chez le jeune homme, il n'y a pas tout ça. L'homme, il est enfant, il devient katane, et après il devient un gadol. À partir de 13 ans et un jour, s'il a porté deux séharot, il devient directement adulte. Et le père aussi, il n'a aucun droit sur l'enfant, le garçon. Il y a Midera Banane, si le garçon gagne l'argent, il faut quand même donner au père, mais ça continue même quand on est bogrette, mais c'est comme Midera Banane, même pour la fille aussi. C'est une takanat khamim, parce que si tu vis chez moi et que je te nourris, alors tu gagnes l'argent, tu me le donnes. Mais ça, c'est que une takana d'herbanan. Là, je parle de droit de Horaïta. Donc, je récapitule maintenant. Ce qui m'intéresse pour notre Mishnah, on va comparer deux droits. Le père, il a le droit, un droit de sa fille de la vendre en esclave. Ça s'arrête tant qu'elle est petite fille. Mais dès qu'elle devient nara, il n'a plus ce droit. Et il a aussi un droit lorsque la fille, elle est violée, que le père perçoit lui-même le knas, l'amende qu'on a imposée au violeur de donner. Il faudra le donner au père. Et même, entre parenthèses, même le dédommagement qu'on avait évoqué avec la bochette et bgam, la honte, et le fait que le corps il a été abîmé, et il faudra aussi le donner au père. D'accord? Parce que c'est un droit que le père il a. Je suis en droit de marier ma fille avec qui je veux. Tu m'as endommagé, comme tu peux endommager ma voiture, tu peux aussi endommager ma fille, que maintenant je ne peux plus la donner à qui je veux, n'importe qui. Elle est devenue maintenant du deuxième choix. D'accord? Parce qu'elle était violée. Maintenant, mais en tout cas, donc on compare maintenant ces deux choses-là. De quand les droits s'arrêtent. Et la Mishnah va me dire comme ça, « Kol makom sheyesh mecher en knas. » Quand tu vas voir que chez une fille, le père a le droit de la vendre, sache que, durant cette même période, « en knas », il n'y aura pas d'amende à payer pour celui qui la viole. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi. « Kol makom sheyesh knas » est toute période, tout lieu, en fait, c'est toute période de la vie de la fille, où tu vois que le père, il pourra percevoir un knas. Alors dans ce cas-là, en mecher, il n'y aura pas de droit de vendre. Parce que, et la Mishnah l'explique, Ktana, une petite fille, yesh la mecher, ve en la knas. Une petite fille, tant qu'elle est encore enfant, alors le père il a le droit de la vendre, mais dans ce cas-là, en la knas. Il n'y aura pas de knas, il n'y aura pas d'amende. Très étonnant cette histoire. Nahara, yesh la knas, ve en la mecher. Tandis qu'une jeune fille, qui a passé maintenant, qui a commencé à avoir son corps qui se développe, elle devient adolescente, pendant les fameux 6 mois, et bien dans ce cas-là, yesh la knas, il y aura un droit de knas qu'il faudra donner au père, tandis que en la mecher, elle n'aura pas, il n'y aura plus de droit de la vendre. En fait, la Mishnah, c'est simple, il y a une discussion en fait entre les Tanaïm, entre Rabbi Meir et Chachamim. Si vous faites attention dans la Torah, dans les psukim qu'on avait apporté de Parashat Ki Tetzé, la Torah, elle a explicité que ki imta ish na'ara asher lo orasa, une jeune fille. Pourquoi la Torah elle me dit une jeune fille, qu'est-ce que ça peut faire? Selon Rabbi Meir, c'est même exclure une jeune fille et pas une enfant. Tout est à la faute du viol qu'il faut donner
il faut endommager. Attends, on va se préciser un peu plus. La halakha spécifique du viol qu'il faut donner un knas, une amende, parce qu'il a osé violer une bat Israël, et qu'il faut la donner au père, et s'il n'y a pas de père, il faut la donner au moins à la fille, eh bien ça n'a été dit que durant ces 6 mois de l'adolescence, mais pas quand elle est enfant. Ça, c'est selon Rabbi Meir. Tandis que Chachamim disent que non, pas du tout. Ça commence depuis qu'elle est petite fille, jusqu'à qu'elle devienne adulte, mais pas exactement petite fille depuis zéro, mais depuis l'âge de 3 ans. Parce qu'on avait déjà évoqué que jusqu'à l'âge de 3 ans, il n'y a pas de knas, étant donné que le viol n'est pas considéré comme un viol jusqu'à l'âge de 3 ans. On considère que la partie génitale, si je peux dire, du bébé jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est pas plus que dans son oreille. Et si quelqu'un va abuser d'un bébé pour lui faire des choses sales avec en lui mettant quelque chose dans les oreilles ou dans la bouche, c'est sûr qu'il n'y a pas de knas sur ça. La Torah elle a explicité uniquement quand il y a une bia qu'il a, il a violé, il a fait ce qu'il fallait, il a eu un viol, il a eu un rapport avec elle. Or, la petite fille, tant qu'elle n'a pas 3 ans, on considère que c'est même pas un rapport selon la Torah. Et bien, même si les bitoulim reviennent, comme on avait déjà expliqué, la virginité elle revient aussi. Donc c'est considéré qu'il a pas, il a fait quelque chose de dégueulasse, il est écœurant, il a ce que vous voulez, mais en tout cas, knas, il n'y aura pas, parce que c'est pas considéré comme une bia, c'est pas pire que de mettre ça dans les oreilles ou dans la bouche. D'accord? Ça, c'est de manière générale pour expliquer pourquoi la vie de Chachamim, jusqu'à l'âge de 3 ans, mais à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans, ou 12 ans et demi même, selon Chachamim, il faudra payer payer le knas. Maintenant, j'ai précisé aussi que selon Rabbi Meir, il faut certes, pour une enfant, il ne faut peut-être pas payer le knas. C'est vrai, la Torah n'a pas imposé le knas, mais il faudra quand même payer la honte, il faudra quand même payer la douleur, il faudra quand même payer aussi le dommage, concrètement. Comme on avait expliqué, que si on voulait vendre cette fille au marché des esclaves, une fille équivalente, je ne sais pas elle, mais une fille équivalente Goya, Yvette Knani, Chifra Knanit, si on avait voulu la vendre au marché des esclaves, on aurait vu combien ça aurait coûté le dommage. Non, il faudra aussi payer cette chose-là, quand même. Mais par rapport au knas spécifique des 212, alors là, il ne faudra pas le payer, d'accord? Ensuite, la Mishnah continue en me concluant aussi. A Bogeret, en la lomecher veloknas. Dès que la fille elle devient Bogeret, elle devient adulte. Alors dans ce cas-là, en la lomecher veloknas. Le père n'a ni le droit de la vendre, ni le droit de percevoir l'amende si elle est violée. Celui qui la violera, il devra dédommager directement la fille, sans lui payer le knas, parce qu'il n'y a plus de knas quand on est Bogeret. Il faudra juste payer le nézek, le tsahar, la bochette. Ok? Bochette la honte. C'est tout pour aujourd'hui. Vous souhaitez une journée pleine de Hatzlacha Kol Toub. Salam.